Hier soir, il s'est passé ça. Bah, tu vois, merci. Attendez, ce qui se passe. J'étais posé, là, juste ici, sur le canapé à Verenco, en train de m'occuper des joueurs qui sont venus jouer. Et je me suis dit, si je faisais un TikTok qui explique un petit peu ce qu'on a fait. Et j'ai dit que, bah voilà, ça va faire plus de 340 jours que je fais une vidéo par jour pendant un an sur cette chaîne YouTube, et puis le partager sur TikTok. Et peut-être qu'il y a des gens qui pourront voir ce TikTok. Et l'algorithme l'a pris en compte et l'a mis en avant. Il nous dit ça a fait 7000 vues, je vais voir, je fais bah frère t'es à 30 000. J'espère qu'il va percer aujourd'hui. Moi ça avait démarré comme ça ma chaîne, un TikTok qui a fait 1 million et ça a amené plein de gens sur YouTube. J'espère que ton heure de gloire est arrivée. Les vidéos, je les fais avant tout pour moi, je vous l'ai déjà dit. Je sais que ces vidéos je les fais avant tout pour moi, égoïstement. Et si jamais vous avez envie de regarder, vous êtes les bienvenus. Mais quoi qu'il arrive, nous on va continuer d'aller par là-bas, on va y aller à fond. Alors voir des gens s'abonner à mon compte TikTok, voir des gens commenter le contenu qu'on met sur la plateforme, c'était un sentiment particulier. Il y a des gens qui répondent aux autres gens. Incroyable. Il y a des gens qui likent les commentaires des gens. Il a commenté. Cette année, j'ai essayé de créer du contenu avec l'intention de sortir au maximum de ma zone de confort. J'ai pu réaliser un maximum de challenges, que ce soit traverser la Bretagne en stop, aller faire de l'airsoft à Verdun, faire danser des inconnus dans la rue, faire chanter des inconnus dans la rue. J'ai réussi, grâce à mon ami Blouson, à perdre plus de 12 kilos, ce qui m'a permis de rentrer en acceptation beaucoup plus avec mon corps. J'ai aussi rencontré une fille super, mais ça je vous en parlerai plus tard. C'est fou Axel, je l'avais dit que tu partais avec TikTok, j'en étais sûre. Et j'ai toujours partagé avec vous, avec simplicité, authenticité, sans vous forcément vous expliquer tout le mindset et tout le contexte qu'il y a derrière. Attends, j'actualise, 43 000. Non. 10 000 en 20 secondes. Tu vas fermer 100 000. C'est incroyable. Alors j'aimerais qu'on prenne les quelques jours qui nous restent ensemble, jusqu'à la fin de ce challenge de daily vidéo, où tous les jours il y a une vidéo YouTube, pour faire le bilan, calmement. Alors si t'es nouveau ici, bienvenue. Tu vas voir que sur cette chaîne, il y a plus de 300 vidéos, plus loufoques les unes que les autres, qui ont toutes été réalisées en une journée. En 2021, faire du daily, une vidéo par jour, n'est pas une stratégie pour percer. C'est pas optimisé pour avoir la plus grosse chaîne YouTube. Mais pour moi, c'est un défi qui signifie énormément. C'est une sorte d'achievement, c'est un objectif que je me suis fixé, qui a plus de signification qu'un diplôme dans mon référentiel. Pour moi, avoir fait une vidéo par jour pendant un an, pour ma vie future, ce sera bientôt check. À force de vidéos, j'ai pu rencontrer des gens incroyables. Non mais pas aussi près, on t'a déjà dit. Mais putain, on voit mes porcs après. Oh là là. Des gens qui partagent ma vision et que je suis fier d'appeler mes amis. Comme toute bonne équipe, il nous fallait un nom, alors on s'est appelé le Wand Gang. Je vais dire un message. J'ai beaucoup de gens qui sont abonnés à moi. Guys, 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 aujourd'hui est un grand jour. Axel vient de mettre un TikTok qui est en train de prendre 10-20K en quelques secondes. Donc elle est tous sur TikTok. Elle est tous commentée. Moi, ça va le faire remonter encore parce que je pense qu'il peut vachement gagner en visibilité grâce à TikTok. Parce que moi c'est comme ça que ma chaîne avait démarré. Du coup allez voir, là, alors je vous parle, elle est à 43 000 vues. Et puis depuis quelques mois maintenant, on passe notre vie ensemble. C'est le Wand Gang. Alors quand pour la première fois, une des plateformes sur laquelle on diffuse notre contenu a mis en avant ce qu'on faisait, c'était un sentiment particulier. Et quand je vois les réactions que ça a suscité aux membres du Wand Gang, je réalise à quel point ils s'investissent et ils y mettent du cœur dans tout ce qu'ils font. Faut que je me fasse chier plus souvent les gars. T'as des commentaires ? Je suis tellement fier de partager avec vous des vidéos où je suis pas forcément dedans, mais qui sont faites par des gens qui m'entourent et qui aiment partager la vie quotidienne et raconter des histoires. Ah ouais, il y a des commentaires ? Quoi ? J'ai des choix avec moi. Imagine, on crée du contenu. Il y a des gens qui le regardent, gros. Interagissent avec. Alors même si pour moi l'intention n'a jamais été de percer, voir la réaction de mes amis par rapport à un TikTok qui a dépassé les 60 000 vues, c'est inestimable. Mais dans les commentaires. Mais non. Axel, je suis sérieuse. Mais toi. Mais toi, t'es le. Je suis en train de manger des spaghettis. Mais non, ça va les couilles. 51 000. T'as vu ça? Il t'encourage de ouf. Il y a un mec qui l'a dit, t'as l'air grave gentil, tu le penses sur ta tête. Alors si t'es nouveau ici, sois le bienvenu, t'as beaucoup de choses à découvrir. Ici on partage des bonnes intentions, on fait de la création et surtout on se donne à 2000% pour faire des choses impossibles. Ou en tout cas qui nous paraissent impossibles. Si vous partagez pas pour moi, faites-le au moins pour eux. Mec, oui je suis d'accord, je vous ai vu sur Paris. Il y a un mec, il a mis vas-y mon champion, tu deviendras super connu. Il y a un mec, il a répondu, donne pas de faux espoirs.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dès demain pour un prochain épisode du Wand Vlog. Si vous voulez voir la vidéo de Dublin où tout le Wand Gang est parti en équipe pour surprendre Tom, et bah c'est sur la chaîne de Valérie D.Wild. Mais Axel, je suis sérieuse. Je vous la mets en fiche en fin de cette vidéo parce que qui de mieux un des membres les plus importants du Wand Gang pour vous expliquer ce que c'est le Wand Gang. Et Valérie l'a tellement bien fait sur sa vidéo. Alors abonne-toi parce que c'est good vibes et partage cette vidéo si tu veux sortir ta zone de confort. Redémarre. C'est marrant mais il y a des gens qui me suivent sur Instagram.